Placé, hein, ne fait aucun bruit. Il y a marqué que c'est normal, très difficile, pardon, d'infirmière. Ouais, il y a marqué très difficile. J'ai mis le piégeur, il y a marqué c'est facile. J'aime pas trop, mais. Je vais commencer par jouer facilement. Par contre, je vois que j'ai des pièces de sang, des éclats irisés. Ok. Et les éclats irisés, j'ai vu que tu peux acheter des skins avec. Là. T'as vu? Par contre, il faut 7200 pour un... Ah! Et j'ai vu que là, en vedette, il y a des skins qu'on pouvait acheter. Tu vois, genre lui. Et elle, c'est 9000. Mais là, j'ai gagné 200. Donc je pense qu'il faut jouer beaucoup pour l'avoir. Sinon, je paye 5 dollars. Elle est chère, Claire Redfield. 1500. Pourquoi elle a 15 euros, elle? Attends, je comprends pas. D'ailleurs, c'était 5 euros. Pourquoi c'est monté à 10 dollars là? 15 euros le prix des boobs. Non, mais tard, c'était 5 euros. J'étais là, là. Enfin, j'étais dans la sélection des personnages. Et c'était 500 pièces jaunes. J'ai calculé, c'est à peu près 5 euros. Mais les gars, c'est ma dernière partie. À base, je vais pas stream aujourd'hui. Juste stream parce qu'il y avait Taï. Parce que hier, j'avais dit à Taïwana que j'aurais avec elle. À DBD. Mais il est bien comme jeu. Pour de vrai, il est bien comme jeu. Sans rigoler, il est bien comme jeu. Je dirais le seul défaut, c'est si tu joues aujourd'hui en tant que noob, ben les gens ils savent jouer quoi. Tu paies réel pour ce truc. Ben, en plus, il est gratuit, donc je peux rien dire. Enfin, je veux dire, je peux même pas te dire, je te déconseille de jouer parce qu'il coûte 30 balles, non? Il est totalement gratuit. Tu peux avoir beaucoup de personnages du jeu et je comprends tout à fait que les collaborations comme Resident Evil qu'il faille payer. Mais oui, je paierai pour le jeu. Là, pour l'instant, je paye pas parce que je comprends pas vraiment ce que je fais dans le jeu. Donc, je sais pas quel personnage acheter. Ça se trouve, Jill Valentine, elle va pas me plaire. Tu vois, là, je découvre de nouveaux environnements, par exemple. Je découvre encore les mécaniques de jeu, mais ça me plaît pas mal. D'accord, les pièges sont déjà prédisposés. Mais il va plus vite que la fille de tout à l'heure en fait. Attends, je peux me prendre mes propres pièges. Tous les skins sont payants. Il y en a que tu peux acheter par toi-même. Ouais, c'est ça, viens. Viens avec moi, frérot. Ça, c'est un truc où on l'accroche, c'est ça? Ah, toi t'es mort. Appelle tes potes. Ah, attends, on va installer un piège. Ah, regarde là, regarde là, regarde là. Ah, il est salopé.
Voilà. Mais pars, saloperie! Les deux sont morts. Toi, t'es là. Il est où l'autre? Toi, tu viens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Saloperie. Hein? Ça court, ça court. Elle est où, elle? Qu'est-ce que tu me fais, frérot? Non, mais Jules Valentine, là! Bon, écoute. Toi, tu vas aller à la place de ta copine. Voilà, va appeler sa copine. Et l'autre là, ils l'ont récupéré, non? Ah bah oui. Forcément. Ah, tombe au sol. Mais j'ai touché la mauvaise personne, je crois. Allez hop. Tu retournes. Voilà. Vous allez arrêter d'embêter le monde. Je savais que t'avais passé la Jill Valentine, hein. C'est ça, grimpe. Voilà. Bien. Sais pas où je vais te mettre. Tiens, là c'est parfait. Voilà. J'ai plus de piège. On va péter ce truc-là. Voilà. Et à 800, regardez. Regardez. Regardez-les courir. Je voulais le mettre dans l'escalier. Qu'est-ce que tu regardes? Aïe, c'est mon propre piège en plus. C'est couillon. Ouais, c'est ça, sauve là. Tu l'as sauvé, mais tu vas prendre sa place. Voilà. Elle est où elle? Bizarre les frérots.
Ok. Il y en a une qui est morte. J'ai plus qu'à trouver les deux autres. Le frère va m'expliquer qu'est-ce qu'il foutait là en fait. Il voulait sauver G20. Ah, je peux plus. Tu vas aller sur celui-là. Par contre, je sais pas où elles sont tes copines. Je crois qu'il est mort. Ah, il est tombé. Je vais péter ton piège, toi. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est pas mal, hein. Elle fait des bruits très bizarres. On dirait que je lui fais l'amour, c'est très bizarre. C'est le laboratoire de Resident Evil, ça, non? Bah. Ah, elle est morte. Il ne me reste plus qu'à en trouver un. J'ai gagné! J'ai gagné! Bah, lui, j'aime bien. Lui, j'aime bien, il est cool. Ce tueur-là, il est cool. Il est plus facile que l'autre, là. J'avais tout à l'heure. Il était vraiment cool. Bon, les gars, du coup, je vais vous raid. Le joueur qui fait. Qui se fait des gens à 3000 heures. Non, lui, il est bien parce que. En fait, les pièges et tout, ça te permet de. Fermer des. Enfin, je comprends la stratégie, tu vois. Ou de mettre un piège dans un coin. De tuer quelqu'un, d'attendre que quelqu'un revienne, de tuer aussi, tu vois, je comprends. Lui, il est. Le mind game avec, je le comprends, tu vois. Mais celle qui se TP, je comprends que tu peux être à un mur et tu peux te TP de l'autre côté, mais comme je connais pas les maps de ça, je comprends rien en fait. Mais le pigeon est pas mal. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui sont bien. Hein. Tu vois, il y en a en DLC là, je sais pas. Par exemple, Alien, Xenomorph, il doit être bien. Mais je sais pas encore jouer, tu vois. Il n'y a pas un pack qui permet d'avoir tout le jeu? Je vais chercher. Je vais chercher sur Eneba. Peut-être qu'il y a des packs qui te permettent d'avoir plein de personnages, hein, je sais pas. C'est possible. Je vais regarder. J'imagine que ça existe, hein. Tu vois, il y a des lots. Tu vois, lot de la faille. Lot personnage de Vendetta. 375, c'est pas cher. Choix des développeurs hebdomadaires. Pour 14 balles, t'as elle et lui. Ouais. Lot de charme, 1 euro. Le headcase, ça c'est pour changer les skins en fait. Et ça c'est quoi? Lot années 80. Ah c'est marrant. Non c'est cool, vraiment le jeu est cool. Ah, les gars, marqué pack DLC, c'est ça que je voulais. Bah voilà. T'as des packs DLC. Bah je vais regarder ces packs-là, tu vois. Tu vois, je vais regarder le prix de ces packs-là.
Et ça se trouve, c'est pas très cher, ça se trouve. Oh. Ça coûte combien un pack? 15 euros? 18 euros. 18 euros. 18 euros pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persos, ça va. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Franchement, ça va.